tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, bah c'est parce que tu t'es mis dedans. Donc aujourd'hui, avec une magnifique lumière bleutée, on se retrouve avec une mademoiselle Reine des Neiges qui va se changer tout de suite parce qu'on va aller au basket. Au début, on pensait qu'on n'allait pas y aller toutes les deux. Et après, parce que lui est malade. Après, on va y aller quand même. Après, bah, après on a fini de ça, c'est que t'as basket. Après on a fini de faire ces cookies au basket, bah, on peut mettre remettre si la robe cassable si tu veux. Mais en attendant on va remettre une autre de robe. Du coup on va aller au basket. Lucas va aller faire son premier match, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment un match. C'est un match plateau, je sais pas si c'est pour ceux qui débutent en fait. C'est pas. C'est pour ceux qui disent que c'est leur première. Oui. Et donc on va y aller, voilà. Tu me laisses t'habiller? Je suis bloquée. Je suis bloquée, elle m'a bloqué les mains. Au secours! Au secours! Coucou, il doit être 2h30, il veut pas se mettre, il doit être 2h30. Je sors de chez Carrefour et je suis aussi passée, je suis fatiguée, chez Jiffy. Les enfants sont à la maison avec Rémi. Lily est en train de faire une sieste, elle est pas bien, elle est fatiguée, ça passe pas, ça crève, c'est... Ça passe pas et Lucas était fatigué suite à son petit match, enfin son match. En fait, il a fait des ateliers. Et trois mini-matchs avec une autre équipe d'une autre ville en gros. Tous les enfants qui commencent le basket en fait, et que ça fait pas 4-5 ans qu'ils en font, enfin 3-4 ans pour le coup. Donc du coup il est crevé, il est parti à la sieste, il en pouvait plus, il s'endormait sur son assiette ce midi. Donc moi j'ai fait mes petits achats, c'est bon, c'est fini on va dire, voilà, enfin quasiment fini. Et je suis passée voir à Pinky, j'ai vu une belle veste qui m'allait en XS, elle était un peu trop grande mais elle m'allait. Mais elle a pas l'air d'être imperméable. Elle a l'air d'être chaude, mais elle a pas l'air d'être imperméable. Donc si c'est pour prendre la flotte quand il pleut, j'en ai marre quoi. Parce qu'elle était, elle était à 89€ et en ce moment il y a 10€ en plus sur cette tranche de prix là. Donc bon, on va dire que ça allait pour voir qu'elle était chaude et compagnie. Et je suis passée aussi, mais je suis dépitée. Enfin, si vous avez pas envie d'entendre du blabla, passez un petit peu ce moment, hein, voilà. Mais je suis passée à Rouge Gorge, pour ceux qui connaissent, ce sont des soutifs, enfin des soutiens-gorge. Parce que là j'ai plus que un soutif qui me va. Instant glamour, parlons-en. Voilà. Je ne trouve pas de soutif à ma taille. Voilà. J'ai un tour de taille. Enfin j'ai un tour de poitrine très mince. Tout le monde me le dit, moi j'ai pas l'impression en fait, j'ai pas l'impression. Et j'ai un tour de bonnet énorme par rapport à mon tour de poitrine. Du coup je me retrouve avec des soutifs en taille qui se trouvent pas. Clairement ça ne se... ma taille ne se trouve pas en magasin, je suis obligée de prendre la taille au-dessus qui est déjà très difficile à prendre, à trouver. Donc tout à l'heure je suis passée à Rouge Gorge, donc j'ai encore embêté la vendeuse, elle me connaît de toute façon à force hein. J'ai encore embêté la vendeuse en lui demandant ma taille et dans des trucs qui pourraient aller parce que ça m'écrase tout, ça me va pas en général selon les formes, ça m'écrase tout et ça déborde clairement. Donc tout à l'heure, attention, accrochez-vous, j'ai essayé du 85F qui était trop petit. J'en ai marre, franchement j'en ai marre. Donc en fait je suis entre le bonnet F et G. Sauf que j'ai un tour de poitrine. Enfin j'ai un tour de. Oui j'ai un tour de poitrine de. Qui s'approche plus des 80 que des 85. Donc je trouve pas de. Bah je trouve pas de soutif. Donc si vous avez des sites ou des marques, parce que sinon j'allais chez Darjeeling.
Mais si vous avez des marques à me conseiller, pas forcément du coquet ou quoi, j'en veux pas, hein, parce que ce que j'essaye c'est des trucs où il n'y a pas de mousse, il n'y a rien, c'est juste du tissu. Et si vous connaissez des marques qui font du 80F ou du 80G, je prends. Ou par hasard, à la limite du 85F ou G, ben je suis preneuse parce que là j'en ai marre franchement de... C'est toujours des soutifs de grand-mère, faut le dire. Bon, j'ai rien contre les soutifs de grand-mère, mais à 30 ans, mais des soutifs qui me remontent jusqu'ici. Voilà, donc et ben voilà, je trouverai pas de soutifs, je pense. Voilà. Donc si vous connaissez une marque, pensez à moi, ça me ferait plaisir parce que là je. Ben, j'en ai marre. J'en ai marre. Bon, il y a pire dans la vie, hein, mais c'est lourd quoi, de l'avoir lavé le soutif le soir, le faire sécher en vitesse et tout, c'est. C'est lourd quoi, et en plus les soutifs de base dans ces tailles là ils sont super chers. C'est, en général c'est facilement 50€ le soutif. Donc bon, voilà. Voilà pour mon petit coup de gueule entre guillemets du jour, même si c'est pas un coup de gueule quoi, mais on va dire que c'est gonflant quoi, parce que de base j'avais pas une poitrine comme ça, et en fait à chaque fois que je suis enceinte, je suis pas enceinte tout de suite hein, mais à chaque fois que je suis enceinte. Je prends un bonnet, donc j'ai pris pour Lucas, j'ai pris un bonnet, j'étais passée du C au D. Pour Lily, je suis passée du D au E. Et là, pour la dernière grossesse qu'il y a eu cet été, qu'on a perdu le bébé, je suis passée en 3 mois, j'ai été enceinte un peu moins de 3 mois, mais je suis passée du E au F, voire même G. Ça va jamais s'arrêter, ça va jamais s'arrêter. Donc bon, voilà. Bon, mais sur ce, je vous laisse. Je vais rentrer parce qu'il faut qu'on aille à la bibliothèque avec Rémi et les deux loulous. Allez, où les enfants? Jules, il a fait un clin d'œil à maman. Oui, Jules, il m'a fait un clin d'œil. Il a fait ça? Ouais. Fermant, mais qu'est-ce qu'on a eu? Ferme bien ta veste, toi. Donc, on y va. T'as pas mis tes mitaines? Lily, tu viens, on y va? Lily, on y va. On va à la bibliothèque, on va aller ramener les livres. Ça te gêne, Lily, les guêtres, pour marcher? Non, c'est comme ça. T'es sûre? Là, il y a un petit fil, j'arrive pas. Ok. C'est pas passé. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ça, c'est la moufle, la partie moufle était partie. C'est ça? Oui. Ok. Merci. C'est bon, Lily, on y va? Oui. Allez. Maman, t'as pris les deux sacs? Non, papa, il en a un là. Et moi, je l'ai sur moi. Voilà. J'ai mon sac. Mitaine. Oh, j'arrive. Pardon. Coucou. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des popcorn. Du popcorn. Regarde. Quelqu'un veut pas des popcorn. Regarde, t'as vu? Oui. Mmh. Hop là. On fait du popcorn. Regarde, des tartines avec du miel. Je mange des tartines avec du miel. T'aimes bien le miel, toi? Maman, elle aime pas le miel. Oui. Moi, ça dépend. Maman, moi, j'aime pas le miel. T'aimes pas trop le miel, toi? Bouh. Regarde un peu ça. Waouh. Waouh, princesse. T'es mon prince. Je t'en prince. Viens, princesse. Regarde qu'elle est belle. T'as les joues toutes rouges. Oh, ça commence à faire du bruit. Regarde. T'as vu ça? C'est rigolo. Bah pourquoi ça peut faire tout seul? Parce que ça chauffe. Et du coup quand ça chauffe ça fait ça. C'est du maïs hein. Ça fait comme du maïs. Ouais, c'est du maïs. Mais regarde. On a peut-être mis un peu trop par contre. On verra. C'est pas tout fait. Non, ça va tout se faire. Il y a un petit peu de boue. C'est rigolo, hein? Ouais. À côté.
Ça fait une queue. Après, tu vas voir, bah, ça va s'arrêter. Maman, des fois, c'est pas fait. Ça fait un coup. Et on appuie. Tu arrêtes de faire ça. Tu crois qu'il va t'écouter? Mais non, mais elle a plu, elle a plu. D'accord. Mais encore. Elle a plu. Viens. Mais attends, faut que j'aille chercher le sucre. À bien de l'arrière pour faire tout ça. Pour faire tout ça. Bon, je crois que c'est bon, attends, faut que j'aille chercher le sucre. Et voilà. Bon, j'ai pas pris la caméra pendant que je touillais parce que bah forcément ça nécessite de faire un peu vite, donc mais voilà ce que ça donne. Donc pour info, il faut juste faire chauffer la poêle très fort, mettre un peu d'huile, du beurre comme vous préférez, mettre les graines de maïs et bien les secouer pour qu'elles aient toutes du gras. Et une fois que ça s'est fait, mettre un truc comme ça, attendre que les pop-corns soient sortis, et une fois que les pop-corns sont tous sortis, sortir la poêle du feu, mettre du sucre, et le sucre va fondre tout de suite et faire du caramel. Et après, vous n'avez plus qu'à manger. Voilà. Enfin, faut attendre, faut laisser refroidir un petit peu. Et après, plus qu'à manger. Voilà. Donc, on va mettre dans un plat. Oui, oui, attends. D'abord, faut d'abord que je m'occupe de le transférer. Hop. Attention, c'est chaud. Attention à toi. Bah, je vais mettre oui, je vais mettre tout, je vais pas mettre les petites graines pour pas éclater, mais sinon là je vais le mettre. Hein. Voilà. On en a pas beaucoup. On en a pas fait beaucoup cette fois. Je pensais en avoir fait trop, bah non en fait. Pas le compagnon avec. Voilà. Après, on peut attendre que ça refroidisse. Et ça donne du petit pop-corn. Comme au cinéma, mais meilleur, je vous garantis que ça c'est bon. Et c'est vraiment pas compliqué à faire. Et pour le coup, il n'y a pas de gluten. Il n'y a pas de gluten et il n'y a pas de lait. Voilà, faut juste pas mettre du beurre, faut mettre de la margarine. Voilà. Allez, bon appétit. Alors, les enfants. Quel siècle Lily va ouvrir? Qui c'est qui ouvre le... Il ouvre le 16. Là, Lily, tu dois ouvrir ça. Et moi, le mien, je l'avais trouvé. Ça, c'est le 19. Là. Ouais, des outils. Ah non, c'est le pistolet. Oh, j'ai le pistolet. Et toi, t'as eu quoi? Oh, j'ai un sac avec un foin. Un chien? Oui, trop un cool. Chien. Avec un sac. Trop bien. On va l'ouvrir? Ouais. Le bébé. Ouais. Oh, j'ai eu les menottes. Tiens. Donne-moi le plastique, s'il te plaît. Et il reste un petit bout. Merci. Oh, rien. Il est 7h, Lucas il vient de descendre. Rémi va aller avec lui, il y a le Noël du basket. Tu fais Mariole? Je suis un arbre de Noël. Ouais. Je suis un sapin. C'est un sapin. Ah t'as pas de boue là. T'as pas de déco, t'as rien. Hein. Quoi? Rien. Donc Lucas il est déjà descendu. Je le couperai. Hein. Non, je ne crois pas. Non, tu le laisseras. Non, tu le laisseras. Bah, on n'a rien dit. Pas de strike, rien. Mais je pense que ceux qui ont l'esprit le plus mal tourné ont compris. Donc, Lucas est en bas. J'arrive. Il râle parce que. Il a peur qu'il arrive en retard. Donc. Oui, mais des chaussures de basket, oui. On va probablement en faire, oui. Donc, ils vont au Noël du basket. On devait y aller ensemble, mais... Miss Lily se sent pas très bien. Lily, elle est pas bien. Lily, elle a envie de vomir, elle tousse. C'est pas la fête, voilà. Donc, on va rester tranquillement toutes les deux. À toutes les filles. À tout à l'heure. À bonsoir. Allez, à tout à l'heure les filles. On vous aime. Soyez sages. Tu me fais voir ton petit nez? Entre filles. Non, c'est moi. Ah, c'est toi. C'est prêt, Lucas, c'est bon.
Donc voilà, Lily, elle est pas bien. Ça fait faire 2 semaines que ça dure. Voilà. Donc et bah demain, enfin pas demain, lundi, il faut que j'aille voir le docteur. Parce que je sais pas ce qu'elle a, je sais pas si elle a une otite ou pas, parce qu'elle se plaint pas du... Enfin, Lily, elle se plaint pas des oreilles. Quand elle a une otite, en général, elle ne se plaint pas des oreilles, elle se plaint du ventre. Je vous laisse. Alors... Il y a eu ça... Au basket. Ouais, t'as eu un petit porte-clés aussi. J'ai eu une casquette verte. J'ai eu ça. Et puis voilà, on explique peut-être en fait ce que j'étais partie faire. Lucas, il était parti au Noël du basket avec papa. Oui, t'as joué avec ton copain. Il était parti avec Rémi parce que moi. Attends. Donc c'est bon, on nous voit. Donc oui, Lucas était parti avec Rémi. On le mettra demain, j'ai pas de scotch, rien, Lucas. Là c'est l'heure de dormir. Non, je vais le remettre. Oui, mais on l'a vu là. Donc Lucas, il a été. C'est les braqueuses. Oui, on regardera demain. D'accord, il est tard là. Et pourquoi il est presque les braqueuses? Je sais pas. Je sais pas. Donc Lucas, il va se reposer. Lily, elle a vomi. Je pense qu'elle est une otite. Trop bien cette soirée. Voilà. Trop bien. T'es bien, t'es content? Il y a un faux Père Noël qui était passé. Ah bah oui, le faux Père Noël, il y a autre chose à faire. On va vous dire bonne nuit. Maintenant, on a montré notre poster. Tu peux mettre ton t-shirt. On va faire en nuit. On va pas le montrer quand même. Non, mais on va dire bonne nuit et tu vas mettre ton t-shirt parce que là il est tard. Pourquoi ton t-shirt? Parce qu'on met un t-shirt. Il a pas mis un t-shirt? Non, il a pas mis un t-shirt. Bonne nuit. Donc on met un t-shirt. Demain on se lavera les cheveux. Hein. Oui, on se lavera les cheveux demain. Là il est tard. On fera ça demain. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit.